rechange ou supplémentaire. C'est-à-dire que si un jour il faut laisser filer, ça décroche tout. Après avoir partagé un café, c'était une visite complète de la proue à la poupe que sont conviés en ce dimanche matin les membres du poste SNSM de Gruissant. La présentation des matériels et techniques utilisés lors des différentes interventions a été effectuée par Denis Verpillot, trésorier et formateur, Georges Marco et Antoine Vétro, respectivement patron et patron adjoint de la SNS 119. Mais le problème, c'est bien, mais t'as les gens qui se trouvent paniqués sur le bateau, ça va leur tomber à 2 mètres sur la plage. Une fois que t'es sur le bateau, on coupe, on raboute la remorque et le plongeur, il ramène la remorque jusqu'au bateau. On coupe que une fois qu'on voit que c'est sur la remorque. Une fois qu'on est sûr que c'est attaché. Après, tu vois, je manœuvre, le mec il tire le bout. Et hop, il a bien la lampe qui marche avec le soleil, mais bon, marche plus. Le petit va sur le crochet. Ah, c'est logique. Et l'autre va derrière. C'est là-dedans qu'on fait le nœud. Le nœud. C'est là-dedans qu'on fait le nœud. De remorque. Et un bateau comme celui-ci. Directement avec la remorque. On ne mettra pas ça, on passera directement à la remorque. C'est juste qu'on a grosseur de taquet. Il y a des taquets assez gros pour passer la remorque directement. Le bateau 5 mètres, la remorque, okay. Tu ne la mettras jamais. Il y a des manivelles du guindeau. Tu jettes à la mer et personne dehors. Mais tu vois, tu te mets pas dans l'axe. Tu es brave. Pareil, on y va le plus doucement possible, mais des fois ça évite pas les à-coups, ça évite pas. Ouais. Est-ce que tu viens de la rentrer ton waypoint? Ouais, ok. Ouais. Alors pour aller à 200, au lieu de descendre de 1 à 2, 3, 4, 5, tu remontes à la mer. Tu montes, ouais. Pas de liste, hein, de toute manière. Liste. D'accord. Tu valides par entrée. Enter. D'accord. Voilà. Et là? Là, bon. Il te donne la liste. Donc là, tu montes. Pour le 200, je monte, hein, au lieu de descendre. C'est logique, hein, c'est logique. Ouais, sur le 200, je vais l'effacer. Hein. D'accord. Alors. Je vais l'effacer comme si ça n'avait pas. Clear, enter, d'accord. Voilà. Donc là, il est libre. Bon, ben là, tu vas. Non, là aussi. Un coup à droite, il l'a mis. Hein. Alors, un coup à droite. Voilà, okay. Un coup à droite. Donc, ça, c'est le coup de batterie de la radio, quart de tour. Là, vous avez les vannes de coupure gasoil qu'on devrait normalement on espère n'avoir fermer jamais. À chaque fois, mais on ne le fait jamais. Non, on ne le fait jamais. La vedette est toujours prête à partir.
Alors, quand on ouvre ça, ça sonne à la machine. Là, vous l'entendez avec les moteurs, vous l'entendez pas. Ou très peu. Ou très peu. Comment ça fonctionne? Il y a un incendie machine. Première chose à faire, plus personne à la machine. Le but du jeu, puisque c'est une extinction par CO2, est d'empêcher toutes les arrivées d'oxygène. Une fois que ça c'est fait, qu'on est sûr qu'il n'y a plus personne à la machine, on ouvre ce joli truc, ça sonne. Et là vous avez deux bouteilles, deux goupilles, vous dégoupillez, et normalement ça éteint le feu à la machine. Pour mettre en route, t'appuies et ça démarre. Voilà. D'accord. Alors ça toujours pompe automatique. Voilà, avec des voyants devant et derrière qui sont répétés là. Voilà, il fait sur le sirène. Voilà. Les coordonnées, tu dis je crée mon waypoint. Là, c'est comme il y a les bagues. Là, ceci dit, si tu as ta route tracée avec ton waypoint, tiens qui ton bateau sur le prêt, ça revient même. Hein. Tu as deux gros ventilos là et deux autres. Deux qui extraient et deux qui aspirent là. D'accord. Pression. Et donc avec des alarmes chacune. Hein. Vide. Ah, il y a une alarme en messeur. Ouais. Compteur. Compteur d'heure et après compte tour quoi. Là, bon, t'as le bateau, il fait, je sors la tête là et... C'est vite fait, ouais.